Alors du coup, sur l'interface designer, j'ai d'abord moi faire un état des lieux assez large des éléments et puis on reviendra dessus en créant et en composant notre première page ensemble. Vous allez avoir ici la possibilité de réaccéder à votre dashboard, d'accéder au projet de settings, quelque chose qu'on verra juste après, et à l'interface éditeur que l'on verra un peu plus loin dans la formation, parce que c'est une des autres interfaces, si vous voulez, qui va nous permettre de gérer le site internet après. Ce qui va permettre, c'est en gros l'interface qui va permettre à vos clients et clientes, et même à vous après pour venir maintenir votre site, ajouter des pages, modifier le contenu, ajouter des articles. Voilà, vous allez pouvoir le faire par le truchement de ce petit onglet. Ici, c'est un bouton qui va nous permettre d'accéder à nos différentes pages que l'on va créer ici. Donc là, nous, on est limité. Moi, je suis limité à 10 pages parce que j'ai déjà un compte pro, enfin light dessus. Je suis sur la version entre les deux. Vous, ça va être limité à 2 pages, je crois, en mode gratuit. Et ça sera amplement suffisant. Là, vous avez un toggle de preview qui va vous permettre, grosso modo, de voir votre site en dehors du contexte de Webflow. Ça ne gardera que cette petite barre-là. Vous allez ensuite avoir tout ce qui va être la partie responsive, chose que l'on verra aussi plus loin. Donc du coup, on va pouvoir venir gérer le responsive de notre site ici. On verra que je ne tarirai pas d'éloges sur Webflow, comme vous l'aurez compris, mais il y a quand même quelques points noirs. Et pour moi, la partie responsive est un petit point noir. C'est à la fois très très performant, honnêtement, vraiment, il y a des trucs. C'était super chouette. Là, pour le dernier projet que j'ai fait, je m'étais mis 2 jours sur le responsive. La première journée, en 2 heures, j'avais fait ce que j'avais prévu de faire en 7 heures, tu vois. Du coup, j'ai un peu pleuré tellement c'était beau, quoi. Ensuite, la possibilité de revenir en arrière ou de revenir en avant. L'auto-sauvegarde, donc là, quand c'est là, c'est-à-dire que c'est sauvegardé. L'export du code, vous n'allez pas pouvoir avoir à chaque fois. Donc voilà, j'en ai parlé dans la première vidéo en quoi c'était super bien. Première ou deuxième vidéo, je ne me rappelle plus. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller revoir ces premières vidéos si vous arrivez en cours de route et que cette partie-là vous intéresse. Comment partager un projet et là, comment on publie le projet. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai rapidement aussi lorsqu'on commencera à aller voir notre site, quand on aura créé notre première interface. Mais comme vous pouvez déjà constater, il y a 2 URL et c'est vraiment chouette d'avoir ces 2 URL. C'est extrêmement pratique, c'est un gain de temps, c'est juste génial. Il y a un petit point noir aussi sur cette partie-là. Petit détail à penser, mais du coup, voilà, on reviendra à ce moment-là sur ça. Vous allez avoir ensuite des panneaux ici qui vont dépendre des actions, des éléments que vous allez mettre sur votre Canva, en fait, tout simplement. Là, c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès à tout le CSS, grosso modo, quand on ajoutera des éléments. Par exemple, si je clique sur cet élément body, je reviendrai dessus après, hein, sur cette partie-là. Je vais avoir tous les paramètres de style que je vais pouvoir lui donner ici. Là, ça va être des paramètres un peu plus poussés qui vont dépendre en fonction des éléments que j'ai sélectionnés ici, que ce soit une div, un formulaire, une collection, une liste de collections ou des choses comme ça. Là, vous allez avoir tout ce qui va être le style manager. Donc, ça va gérer toutes les classes et les sous-classes que vous allez utiliser du coup sur votre site. Et là, c'est tout ce qui va être pour créer de l'interaction. C'est avec ça qu'on va créer des animations poussées, des animations qui vont être que ça soit au chargement de la page, faire des transitions de page, que ça soit ici au survol, au scroll, pendant que l'élément arrive dans ton navigateur, pendant qu'il n'y est pas encore. Bref, c'est en fait c'est cette partie-là moi qui m'a complètement conquis et qui m'a poussé à vraiment aller voir ce que c'était Webflow parce que autant faire de l'intégration de base, moi ça me va, ça me saoule, je ne suis pas un grand fan et surtout ça faisait un bail que j'avais arrêté de coder. Mais je sais le faire, voilà. S'il fallait, j'ai dû me remettre un peu à flex et à CSS grid pour Webflow. Mais grosso modo, voilà, je sais faire. Mais le JavaScript, ça m'a toujours saoulé. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'ici, je pouvais avoir tous les éléments JavaScript qui sont faits, j'ai dit merci, merci. J'ai presque cru au bon Dieu à un moment, mais non, faut pas déconner. Mais du coup, c'était génial. Du coup, ici, on va voir la barre des outils. J'ai ici tous les éléments sur le petit. Si je clique sur le petit plus, alors vous allez voir qu'on va utiliser souvent les raccourcis en fait. Donc, vous voyez, quand vous passez votre souris dessus, vous avez A, Z ici, page, P. Ouais, et on va pouvoir souvent venir utiliser les raccourcis clavier pour aller ici. Je vous en donnais un ultime aussi, juste à la fin de présentation de l'interface.
Et là, on va avoir tous nos éléments. Donc, on va avoir des éléments déjà composés. Donc, on a des composants déjà préfaits ici, type un peu ce qu'on peut retrouver avec Bootstrap. On va avoir des éléments de formulaire, des éléments type média, donc images, vidéo, embed YouTube, mais pareil, hein, si c'est du Vimeo, ça pourra marcher aussi. On peut le faire avec ça. Et ce qui est l'outil animation. Qu'est-ce que l'outil animation? On verra ça quand on commencera à créer la page aussi. Les éléments de CMS, c'est ce qui nous permet de faire tout ce qui va être une partie dynamique du site. C'est-à-dire que, comme je l'ai précisé dans une des premières vidéos, Webflow, ce n'est pas juste du site vitrine. Vous pouvez créer du site dynamique parce que vous pouvez même faire du site e-commerce avec. Donc, du coup, voilà. Les éléments de typo, les éléments basiques de liste, de boutons, de blocs, etc. Et tout ce qui va vous permettre de faire les layouts avec des conteneurs, des grilles, des colonnes, des sections. Alors, généralement, on ne va pas se mentir, moi j'utilise de la section, de la grille, de la div. Je ne me sers pas du conteneur, très peu des colonnes. Je vous expliquerai pourquoi après. Après, voilà, cette formation sera courte, ce n'est pas une masterclass, c'est vraiment voilà. Pour celles et ceux qui veulent voir rapidement et pouvoir très rapidement se débrouiller avec Webflow. Donc, je ne vais pas prendre tous les éléments un par un et vous donner les paramètres. Je pourrais vous laisser les découvrir et surtout celles et ceux qui veulent aller plus loin, comme je le rappelle, il y a la Webflow Université. Moi, ce que je vais vous présenter ici, c'est ce dont je me sers et ce qui me permet de faire des sites et ce que j'utilise majoritairement. Vous allez avoir aussi des éléments de layout qui sont déjà faits. Et là, je fais une pause parce que c'est quand même super intéressant. Donc, vous avez des éléments où vous allez pouvoir en glisser, déposer, venir avoir. Et par exemple, voilà, j'ai déjà un élément qui est fait comment dire, de navigation, de page. Si je l'ouvre ici dans mon navigateur, j'ai un conteneur, j'ai ma sticky nav. Alors, c'est quoi la sticky nav? Ça veut dire que lorsque je vais avoir du contenu, la nav restera toujours bloquée en dessous. Donc, j'ai cet élément-là. Je pourrais en mettre d'autres. Hein. Quelque chose de plus parlant, voilà. Je peux avoir ça. Si vous voyez ce que je veux dire, et ce qui fait que j'ai mis un petit temps d'arrêt, c'est que lorsque j'ai vu ça, ça c'est nouveau, hein, ça a un mois je crois que c'est arrivé sur Webflow. Ce qui est intéressant, c'est que s'ils en rajoutent des éléments de layout comme ça, sachant qu'on a possibilité maintenant de venir complètement les modifier derrière, hein, donc ça je vous présentais justement ça à ce moment-là, c'est que s'ils construisent encore plus d'éléments comme ça, et on peut aussi construire les nôtres, en créant des symboles, je reviens dessus juste après. Qu'est-ce qui nous empêche de faire notre wireframe directement avec ça? Nos prototypes directement avec ça et non plus par XD. Petite pub pour la formation sur XD, vous pouvez retrouver, je sais pas comment marche YouTube, donc des étiquettes quelque part ou en description, voilà, je vous mettrai un lien pour aller faire le wireframe sur Adobe XD. Mais c'est top! C'est top! Non? Comme vous voulez. Et les symboles. Les symboles sont des éléments qu'on va créer nous et qu'on va pouvoir réutiliser partout. C'est vous trouvez l'équivalent en design avec les composants et symboles que vous pouvez avoir sur des Adobe XD, sur des Sketch, Figma, ce que vous voulez, tous les logiciels de composition d'interface utilisateur. Vous pouvez retrouver ça. Et personnellement, quand tu crées ton, en gros, tu crées un blog, une instance, voilà. T'en crées un symbole et après, boum, boum, tu peux le mettre sur toutes tes pages en un glisser-déposer. Et si tu fais un changement à un moment, tu te dis, bon, ben, en fait, je ne sais pas, sur ce bloc-là, ce bloc d'inscription à la newsletter, le fond, il est jaune, finalement, je le veux bleu. Tu ouvres ton symbole, tu changes sur le symbole et ça change sur toutes les pages dans lesquelles tu as mis ton symbole. Gain de temps. C'est un truc qu'on a pris des développeurs, hein, tout simplement. C'est un truc que les développeurs et développeuses utilisent déjà depuis un siècle. Hein. Eux, c'est la. Bon, je vulgarise un peu, mais c'est la programmation orientée objet. Voilà, ils créent des objets, des assets qu'on peut venir réutiliser derrière. Je vulgarise énormément sur le coup, mais grosso modo, l'idée, c'est là. Et du coup, ces symboles, c'est top parce que on peut mettre des symboles dans des symboles, on peut faire des trucs imbriqués. Et ouais, c'est cool, c'est super pratique de faire ça. Ensuite, on a ici tout ce qui va être notre navigateur, chose qu'on va utiliser énormément parce qu'on va avoir, et vous avez pu le constater quand j'ai commencé à mettre des éléments à l'intérieur ici, c'est ça qui va nous permettre de structurer, on va voir tout simplement notre structure HTML. Hein, moi, je mets des sections, voilà, la section apparaît ici. Si je veux rajouter une div, je rajoute cette div dans ma section, je décide de rajouter un formulaire, tac.
Forme, ce forme, je veux la mettre ici. Voilà, cette div, je décide de lui donner un certain style, c'est-à-dire de prendre 80% de la largeur de mon conteneur et de venir le centrer. Et du coup, je veux vraiment que ça soit centré en plus au milieu. Je peux venir en une section, utiliser ici du flex. Poum, poum. Allez, tu vas me faire mentir, c'est parce que c'est sur ça que j'aurais dû le faire. Je le fais très rapidement pour vous montrer. Tac, et on le reprendra, bien sûr. Tac, c'est pas ça. Voilà. Tac, tac. Pourquoi tu veux pas? Hein? Mais oui. Si je mets pas de hauteur, il peut pas le caler comme il faut. Et là, du coup, je vais lui enlever. Voilà. J'essaie de faire vite et du coup, je me porte un peu. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Et donc du coup, oui, j'avais pas mis de hauteur, donc je pouvais lui dire, bah tu te centres au milieu de ton écran. Si mon écran, il a pas, si je lui dis pas que ma fenêtre ici est la taille de mon écran, ça va être compliqué. Je suis allé un peu vite. Rassurez-vous, nous allons créer ensemble des vidéos, enfin ensemble des interfaces, et on apprendra à faire ça d'une manière beaucoup plus tranquille. C'était juste pour vous montrer. Voilà, le navigateur me permet de voir tous mes éléments qui composent ici. Mon formulaire, les boutons, les success messages, pas messages, ça me permet de modifier, de venir changer l'ordre si j'en ai envie pour avoir quelque chose d'absolument pas logique, de venir rajouter des éléments, rajouter des... Bref, je peux faire ce que je veux avec ça. Et je supprime. Donc on a ça, on a ensuite nos pages, donc la liste des pages qu'on va avoir. Ici, sur cette liste des pages, j'ai pour l'instant ma page d'accueil, on a la page password, la page 404. On va voir, pour l'instant, on n'a pas de page CMS ou e-commerce qui sont créées pour la simple et bonne raison qu'on n'a créé aucun élément de commerce, d'e-commerce et aucune collection CMS. Je reviens dessus juste après. Voilà. Donc, je peux créer des nouvelles pages, je peux créer des dossiers pour ces pages, ce qui me permet de soigner les URL de mon site internet. Dans les propriétés de ces pages-là, j'ai plusieurs choses aussi. Dans les propriétés de ces pages-là, j'ai la possibilité de protéger avec un mot de passe en fonction du type d'hébergement que j'ai. Voilà, donc c'est pas bien à tout. Je peux venir pour chacune des pages venir travailler tout ce qui va être les paramètres de référencement SEO en leur donnant des titres en particulier, des métadescriptions, l'open graph pour le partage sur les réseaux sociaux, toutes les informations de comment les robots vont venir interpréter en fait enfin, notre site lorsqu'ils vont venir le chercher. Et surtout ce qui est intéressant, et donc j'ai rapidement parlé dans la première vidéo, c'est l'ajout de custom code. Donc on va voir dans l'interface, dans la vidéo juste après, qu'on a possibilité de mettre du custom code sur l'intégralité du site, mais on peut aussi le faire sur chacune des pages de manière indépendante. Et on verra du coup dans la prochaine vidéo en quoi c'est plus intéressant. On va voir ici tout ce qui va être les collections CMS, c'est-à-dire ce qui va me permettre moi de créer des articles, de créer des fiches de service, des profils d'auteurs, d'autrices, de... Bref, tout ce qui a besoin d'être dynamique, vous pouvez le faire. Vous allez pouvoir voir, donc là, je ne ferai pas sur cette courte formation, mais vous pouvez utiliser les multi-références, vous pouvez faire... Bref, c'est ce qui va permettre simplement d'être dynamique. Et nous, on va créer un micro-blog avec ça, notamment. La partie e-commerce qu'on ne verra pas, nous, ici, parce que du coup, je ne suis pas ultra calé sur la partie e-commerce. Je ferai une vidéo une fois que j'aurai vraiment mis les mains dedans. Moi, je préfère vous faire une formation sur, bien sûr, ce que je maîtrise. Là, on va avoir tous nos assets. Donc, nos assets, ça va être tous les médias qu'on va ajouter. Ça peut être des PDF, des fichiers Lottie, des vidéos, des images, majoritairement ça. Et d'ailleurs, pour le bien d'entrée de jeu de ce que nous allons faire après, nous allons directement maintenant poser les assets. Du coup, moi, je suis allé tout simplement télécharger plein d'images sur Unsplash. On va poser nos assets qui vont nous permettre de créer la page après. Je suis allé sur Unsplash, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est une librairie de photos HD gratuit, à condition, bien sûr, de mettre les crédits des photos lorsque vous utilisez des éléments. Donc après avoir à vous, vous les mettez. Je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas un ultra calé en droit. Si vous mettez, vous utilisez une image, vous pouvez mettre la description, enfin le crédit en légende, ou alors vous pouvez tout mettre éventuellement dans une page crédit sur votre site. Et du coup, on va le faire. Donc moi, j'ai mis sur le blog, vous allez retrouver l'intégralité des assets qui sont utilisés.
Tac, Webflow, voilà, donc vous avez tout ça, donc vous n'êtes pas obligé d'aller sur Unsplash, hein. Vous pouvez aussi aller vous contenter tout simplement des éléments que... Ah ouais, alors il y a certains, les images sont un peu trop grandes, effectivement, parce qu'on est limité à 4 mégaoctets. Bon, c'est pas grave, ça va suffire. Donc j'ai mis hein, des images complètement random. Donc on a maintenant nos assets qui sont ici. Et ici, on va avoir d'autres petits paramètres qui nous permettent sur la recherche de créer des backups. Donc si on va rechercher des éléments, des choses comme ça sur notre site ou aller venir chercher tout simplement des éléments ajoutés. Et là, on a la création de backup parce qu'on va pouvoir faire des sauvegardes de notre site super rapidement, soit en cliquant ici, soit en faisant le raccourci Command Shift S qui nous permet de faire directement des backups ici. Et on a celui-là. Par contre, celui-là, c'est tout simplement le petit raccourci qu'on va utiliser énormément qui va me permettre, sans avoir, par exemple, quand j'ajoute une section, je ne vais pas faire le plus, élément, section, glisser, déposer. Je fais commande E ou contrôle E sur Windows et vous allez pouvoir venir chercher vos éléments. Donc ça, c'est lorsqu'on commence à connaître un petit peu, voilà, tout simplement, button. C'est quand on commence à connaître un petit peu, bien sûr, le nom des éléments et de ce qu'on va y trouver. D'accord? Mais c'est vachement plus pratique. Or, moi, j'irai assez rapidement là-dessus pour que les vidéos ne durent pas trop longtemps. Donc, vous, n'hésitez pas à mettre pause dessus. Mais prenez bien, à limite, cette habitude, c'est plutôt pratique de faire ça. Ensuite, vous pouvez cliquer ici et pour un moment, quand vous avez un doute sur comment on utilise certaines choses, vous avez la possibilité d'avoir ici une partie des vidéos tuto qui vont vous montrer comment utiliser une navbar. Voilà, ici. Ok? Donc voilà, ça c'est pour la partie designer. Maintenant, on va aller, avant de commencer à créer quoi que ce soit, on va aller rapidement faire un tour dans la partie réglage du projet, projet settings, et puis on y va.